Cette semaine, à Midicographie, Yves P. ou Pat Pépeltier. Au tournant de 2018, Yves Pépeltier vit des moments d'une grande intensité. En pleine crise d'identité, il part à la recherche de lui-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je? Qui moi-je? Squeegee? Ses thérapies de groupe le font sombrer dans la folie. Peanuts! Peanuts! Souffrant de multiples personnalités et d'exhibitionnisme, Yves Pépeltier passe ses soirées à se travestir pour de l'argent. Je suis un marchand de bonheur. 12 pouces, 5 $. Il développe une dépendance au rire et aux applaudissements qu'il pousse aux pires excès. Des excès de langage. Touche à ma cheville. Mais aussi des excès de boisson. Soir après soir, c'est la tournée. En Italie? Aux îles Fidji? À Amqui? Amqui? Mais Yves Pépeltier doit se faire à l'idée qu'il n'a plus 55 ans. Je suis peut-être rendu perdu, mais je suis pas rendu céleste. Il se tourne vers la religion. Fif et du simple d'esprit. Il pratique l'ésotérisme. Il fait même un voyage astral. Dou, 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 dou. Finalement, grâce au soutien du public, Yves Pépeltier retrouve l'équilibre. Merci. Moi, le premier show solo de Yves Pépeltier. Billets en vente maintenant sur evenco.ca. Yves Pépeltier vous remercie d'être... venu.